Bienvenue à tous pour les prévisions mondiales de ce 13 octobre. L'élément significatif sur le continent européen, c'est un épisode méditerranéen qui est confirmé dans le sud de la France. Le département du Roussillon, mais aussi de l'Hérault, sont placés en vigilance orange pour de très très fortes pluies. On attend l'équivalent de 3 mois de précipitations en l'espace de 48 heures, de fortes chutes de neige, notamment sur les Alpes du Sud. On en parlera en détail à la fin de ce bulletin météo. À l'arrière, vous le voyez déjà sur la péninsule ibérique, retour un temps beaucoup plus calme. Les nuages bas restent seront plaqués au sol toujours sur la majeure partie du continent car nous avons notre anticyclone sur la Scandinavie qui nous donne toujours un vent piquant de secteur nord-est, le froid qui s'engouffre véritablement sur tout le continent, des températures qui sont bien trop basses pour la saison et une poche d'éclaircie en allant vers les Pays-Baltes ou encore du côté du sud de l'Italie. On prend la direction du continent américain avec une dégradation très active qui nous donnera de fortes pluies, notamment de Vancouver jusqu'à Portland. On attend l'équivalent d'un mois de précipitations en l'espace de 24 heures avec là pas mal de vent jusqu'à 100 km par heure. L'ouragan Nicole de catégorie 2 va balayer les Bermudes avec des vents très puissants jusqu'à 180 km par heure et des pluies diluviennes. En descendant vers le sud du Brésil et le Paraguay, là aussi on risque d'avoir des intempéries car des pluies diluviennes sont prévues pour les prochaines 48 heures et un temps toujours très perturbé sur la Patagonie avec un régime de giboulées. Du côté de l'Afrique australe, le soleil et la chaleur sont toujours au rendez-vous jusqu'à 36 degrés sur la Namibie et cette chaleur remonte d'ailleurs jusqu'à la République démocratique du Congo. Les averses de la mousson seront très actives sur le golfe de Guinée ou encore le Bénin. En direction du Maroc, on a la dégradation installée sur la France qui va déborder. Elle débordera également du côté d'Alger et à l'avant, une poche d'air chaud de la Tunisie vers le Proche-Orient en passant par l'Égypte. Un temps plutôt calme sur l'Asie centrale. À l'inverse, les précipitations de la mousson seront toujours très actives sur le nord-est de l'Inde, sur le golfe du Bengale ou encore l'Himalaya. En direction de l'Australie, on a retrouvé des conditions calmes plutôt anticycloniques, mais avec des températures trop basses pour la saison, pas assez printanières. Nous sommes 5 à 6 degrés en dessous des valeurs de saison. Un temps plutôt calme sur la Corée du Sud et du Japon également. On va terminer ce bulletin météo par parler de l'épisode Cévenol qui se confirme dans le sud de la France. C'est en fait de l'air chaud humide qui remonte et qui se heurte à de l'air froid, conséquence des précipitations très très abondantes. On attend l'équivalent de 3 mois de précipitations en l'espace de 48 heures jusqu'à vendredi. La plus grande vigilance est de mise.